Salut à tous les supporters du PSG, son joueur a recruté le milieu de terrain de l'Atlético Madrid, Saúl Ñíguez, qui est sous contrat jusqu'en 2026. Il suscite un intérêt aussi du Bayern de Munich. On évoque une somme entre 30 millions d'euros et 50 millions d'euros. De plus, le milieu de terrain de la Juventus, Arthur, aurait été proposé par ses agents au PSG. Le PSG avait sondé à Eric Garcia, le défenseur de City, qui s'est engagé au Barça. Mbappé a déclaré à propos de Falcao, qui avait évolué avec lui au début de sa carrière à Monaco en 2017. Il a déclaré: c'est quelqu'un qui veut. C'était une star, mais il avait le désir de transmettre. Il a été un professeur pour moi. C'est quelqu'un qui veut toujours marquer, mais il m'a laissé la place pour m'exprimer. Il est très calme devant le but. Calme dans son jeu. Et il m'a transmis cette sérénité que je n'avais pas, parce que j'étais jeune, excité, et que je voulais que tout aille à demi-heure. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que Mbappé devrait prendre l'exemple sur lui, mais il est trop pressé. Quant à Falcao, c'est un remarquable renard des surfaces. Son duo, qui constituait avec Mbappé, faisait des étincelles. Mbappé est 10 fois meilleur avec deux attaquants devant, un Kaká à gauche. Mais il a fait des progrès pour être meilleur en points. On le voit en équipe de France quand il y a une Benzema. Avec Benzema, ils se sont trouvés tout de suite. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et de plus, c'est dommage qu'au PSG, devant, il n'associe pas un autre attaquant. Mais en mettant Neymar juste derrière. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. De plus, Mbappé a répondu ne pas être prétentieux. A déclaré: je ne suis pas comme ça, c'est de la confiance. Pour performer dans le foot, il faut de la confiance. Parce que lorsque vous entrez sur le terrain, personne va tirer à votre place et vous se persuader que vous pouvez le faire. C'est surtout lié au fait, quant à Mbappé, il a évoqué aussi, il estime par ailleurs que le fait d'évoluer à Paris, il provoque un effet de loupe qui ne joue pas en sa faveur. Il a déclaré: c'est surtout lié au fait de jouer au PSG, qui est le club le plus médiatisé. Tout le monde parle du PSG et j'ai appris une chose avec la petite expérience que j'ai, c'est que quand on parle de vous tous les jours, ce n'est pas pour dire de bonnes choses. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense
qui, moi, pour moi, il est lucide dans ses déclarations. À Paris, on le scrute, mais comme dans tous les grands clubs, quant à sa première déclaration, je trouve que pour tous les grands joueurs, c'est comme ça. CR7, Messi sont comme ça. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Suivez-moi sur ma chaîne YouTube.